dis à mesdames et messieurs, chef gang yo, et yo dit qu'on ça yo fait la paix qui donc yo déposé les armes, yo décidé pour pas kidnapper, pour pas tuer, pour pas violer, pour pas faire kidnapping encore. Qui donc eh ben nèg yo gon mouvement là qui yo mette sous pied qui gen Jimmy Cherizier et qui e barbecue qui gen Lambo Sanjou, Vite l'homme, Izo, Mano et y a divers autres encore, Jeff Canaan, Bogin nan Titanien. Nèg yo di kon sa, donc yo pa décider faire peuple la mal encore qui donc y a font poser. Mais grande question m'a posé tête moi mesdames et messieurs amis fanatiques TV la kay haiti.com yo, est-ce que nèg yo sérieux ou bien c'est en façon que nèg y a chercher pour ka joine sympathie peuple là jodi jodi a la kap men un mouvement et gen pile haïtien qui a déporté sur en République Dominicaine pour venir Haïti. Est-ce que c'est pour façon que nèg y a bay moun yo fil mol pour moun yo courir entre aventure et puis sortant di a la nèg yo envahi? Et ben dans vidéo ça mesdames et messieurs nous pral invite au gen tout détail. Gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV la Kay Haiti.com. Jeudi, c'est vendredi 22 septembre 2023. Nous avec vous dans le premier bulletin d'information pour journée là pour nous continuer à informer sur l'actualité. Ça qui passe dans le pays d'Haïti, franchement, journée jeudi là. No jol tout toc, mesdames et messieurs, bagayo en pile, bagayo empiré, dégénéré, n'a pas fait coup de patte sous frontière. Un bel côté haïtien là qui met tête ensemble pour construire canal ça qui baille Abinadel président Saint-Domingue là tête fait mal monsieur paniqué monsieur pas dormi monsieur gain problème un ben bagayo grave. Et dans vidéo ça m'va inviter au gain détail tout sur trois gros palto. On dit gros palto nèg cheveux si yo et ben que pays Canada mette en bas sanction yo jeune nèg ça aussi yo cap financer gang dans pays a c'est yo nan kidnapping tout kidnapping cap fait c'est nèg ça l'argent yo al jeune. Donc c'est eux même qui gèrent question finance dans pays ya, yo directeur banque yo ceci yo cela alors que les gars financent insécurité dans pays. On va éviter de tout détail, restez connecté, bonne écoute n'a tourner. Oui, pendant pasteur parler de si monsieur Yolda mais faut en photo avec yo. Pour montrer que non uni. OK? Autant de voice monsieur. Non. Oh, pas de problème monsieur. Hmm? Tout nèg yo font voice là. Tout fou nèg gon message yo fait là ensemble hein. Oui. Tout... ensemble, oui. Oh mes amis. Oh, bah, oui, oui. Oh, pas gen oui. Tout nèg net oui. Même dit tout nèg ça, tout nèg gen zam nan men, mais yo font voice là pour mande la paix. Tout moun ka traverser n'importe qui côté, au moins yo mande pardon. Ouais, yo libérer conscience yo et cetera. Oh, personne m'a raconté qui côté ça braler, qui ça caché derrière ça mais bon. On comprend. Et ça fait moi m'd'a parler au micro là avec vos amis, me dit moi point bail pour nèg que t'a fait là. C'est comment c'est libérer tout le monde qui yo kidnappé qui dans mer. Grand pile nèg qui gagnait dans base yo de monde yo kidnappé. Comment c'est libérer sans l'argent. Donc exemple dame ça, nous t'a parlé hier là. Qui un bébé 4 mois fait césarienne qui en bas mais nèg yo gagne un jeune médecin dans la plaine dans la nèg yo rentré la caille il prend hein c'est commencer par libérer tout le monde qui dans mais nous laisse ça on comprendre que au moins on va et que dans vie fait bon beaucoup peut même parler dans déposer zam dans nous mais au moins fait ça c'est pas question rester voyer voice dit nous. Non pas dans bail ça encore ouais nèg qui demande pardon etc. Non voyez ça bon dieu qui est là dedans ouais Chris l'a parlé là dedans l'amour sans jour chien méchant t'il a pli percé à lui même lui dit c'est leader babelé et Luxon ça vient Mikanor Wav Jérémy Jeff Canaan Mathias Boston Kilibraye on s'amuse les Kilibraye dans troisième circonscription ok les Kiliclan Matissan, ok. Vite l'homme, parler la dalle. Iska, Cité Soleil, pour Belécou. Mano, Village des Dieux. Barbecue, parler la dalle. Izo, Village des Dieux, parler la dalle. Comment fait par contre? Oh, mes amis, oh. Qu'on y a pas avec vous, l'homme là. Oui. Yeah, ça veut dire tout le monde parle là. Donc, tout le monde retourne la caillou. Yo bataille, l'autre Haïti. Yo voulez libérer conscience. Yo renoncer à toute sa yote qu'on fait qui mal, etc. Ouais. Donc, qu'on y a une action yo, pour montrer que monsieur vraiment son bagage sérieux. Parce que voyez, ça pas suffit. Vous comprenez? Ouais, ça pas suffit. On a besoin pour nous. Ça va le bail. Vous comprenez? C'est pas gagné caché de ça. En tout cas, moi-même, je bien aimé passer Canaan. Ah, mon cher. Je bien aimé passer l'aquapurisme. Mais
Après, bon bail pour mon papa. Oui, oui, oui. Va me voler dans les airs. Yes. Bon. Oui. Dans une note, Yoran Public, association 3 syndicats, dénoncé l'État haïtien qui était bois croisé dans le cadre de la section canal ça sous rivière massacre. Syndicat ça qui c'est Confédération, monsieur Nobaye Caméra, Confédération Travailleur Haïtien, Confédération Travailleur et Travailleur Secteur Public, ak privé, mette ak Fonds National Syndicat Haïtien, mais yo pas caché mécontentement face à mauvais traitement haïtien abjoint sous territoire voisin. On a communiqué si là, yo fait des problèmes avec lui, et bien, il y a trois taux là qui prennent sanction. Sanction Canada bay 3 taureaux, sanction entre autres papa Dimitri Vob. Padel a déjà touché ça avant que nous allions avec Tipay dans quelques minutes. Et oui, papa Dimitri Vob, jeune sanction, sans compter, il y a deux autres cités pour Mounio Kounia la Pradel. Qui ça qui a passé là? Sanction qui tombe bon côté pays Canada, à l'égard des oligarques compris en Haïti. Oui, n'a pas avancé directement, nous prenons directement au niveau de sanctions qui prend, eh bien, trois nouveaux hommes d'affaires sanctionnés par le Canada. Eh bien, ministre Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui annonçait jeudi que Canada a sanctionné trois nouveaux hommes d'affaires haïtiens. Il s'agit de Marc-Antoine Accra, eh bien, Carl Brown et Jean-Marie Vaube. Eh bien, Marc-Antoine Accra, nous songeons, et dans le cadre de dossier de drogue, côté que l'autorité de ces bateaux cyclactés débarqués, eh bien, nous rappelons une histoire ça. Et Carl Brown, eh bien, c'est directeur, ou bien, au niveau de Unibank, et puis Jean-Marie Vaube, eh bien, nous connaissons, c'est la famille Vaube, et puis, le ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a annoncé, le 1er septembre 2023, que le Canada a sanctionné trois nouveaux entrepreneurs haïtiens en vertu du règlement sur les mesures économiques et spéciales visant Haïti en réponse à des actes de corruption importants qui alimentaient crise sécuritaire dans le pays d'Haïti, politique et humanitaire qui sévit actuellement dans le pays. Et bien, trois nouvelles sanctions ça, qui visaient trois membres dans l'élite économique haïtienne, les hommes d'affaires Marc et Antoine Accra, Carl Brown et puis les Jean-Marie Vaube, et ces personnes ont interdit et pour piller le territoire Canada en vertu de la loi sur l'immigration et de protection réfugiée et qui ont l'objet d'une interdiction générale de transaction. Elle que toute transaction que M. Sayo n'a pas faire les mis à partir de sanctions qui prennent contre toi et c'est Marc-Antoine Accra, Carl Brown, et puis nous avons Jean-Marie Vaube, et bien nous connaissons que Simon Tsaroke, et bien le ministre des Affaires étrangères lui-même, et bien et Mélanie Joly qui a annoncé ça, jeudi, que le Canada a sanctionné et bien, trois nouveaux hommes d'affaires haïtiens, et bien c'est Marc-Antoine Accra, et bien la famille Accra, Carl Brown, et puis et Jean et Marie Vaube, et bien, on est que ces trois gros tours, ça y est, et bien, Jimmy, nous pas chita sous ça, non? Et après, nous voilà le fond de descendre là, et bien, au niveau de, et devant Nations Unies, et bien, bien, l'autre demain, dans Nations Unies, parce qu'il y a un pile de mobilisation qui est là, et bien, attendez, on parle de Jimmy, baronné, et il prend tout, ouais, il prend papa, et tout, à Vaube, baronné, et Jimmy qui position, avant que nous allions, et bien, au niveau de Nations Unies, il y a une mobilisation qui est là, demain, en plus, haïtien pour aller camper, vous dites, Ariel, eh bien, quoi, mon, mais quoi, papa, en aller, et dans le même cadre, et dossier sanction, ça, Jimmy. Oui, bon, je pense que c'est en question de temps, mesdames, messieurs, c'est en question de temps, et les, par rapport à ce groupe oligarque compris, ça, nous te comme toujours Abdil. Monsieur Sao, nous connaissons eux-mêmes qui ont Haïti en otage dans l'Italie. Là, côté que utilisent une équipe jeune garçon, bas armes, bas munitions, a fait promotion, violence. Toute force où la République dominicaine est là, c'est eux. Mais c'est eux. C'est eux qui dévolent là. C'est eux qui travaillent en parallèle avec la République dominicaine qui fait que je dis là, nous, Haïti, dans ce lieu-là. Mais bref, bonne nouvelle là, c'est que nous comprenons, peuple a compris ça, mesdames, messieurs, je dis là, eh bien, mais aide-moi. Moi, c'est sûr, certain. Moi-même, personnellement, me féliciter Canada dans le cadre de ça. Pap Canada, c'est pas bon le plus bon. Nous comptons ça. C'est pas bon le plus bon. Mais, trois individus, ça, on a regardé là, sont question de temps pour nous valter de Dimitri Vaube. Pral prend sanction, t'allais comme ça. Dans le cadre régional Boulos, pral prend sanction. Mais, moi-même, rêve pas, mesdames, messieurs. L'aime temps de que pays Canada baille sanction, pendant une seconde, pendant un instant, moi, pensais que c'est Haïti qui a baillé sanction. Comme si c'est ça nous voulons, c'est ça nous souhaitons pour que nous avons un gouvernement, pour que c'est nous-mêmes qui prenons commencer à baillé sanction.
Nous prenons les Dominicains en pile sanction. Nous prenons les petits groupes oligarques corrompus à eux sanction. Et puis ça, nous souhaitons de grâce. C'est pour très bientôt. Groupe nèg qui soi-disant dans la diaspora, qui a voué les âmes, c'est pour prendre sanction. Moun sa ou, c'est pour nous commencer à retirer la nationalité. Comme si c'est ça nous voulons, c'est ça nous souhaiter pour que nous avons un gouvernement, pour que c'est nous-mêmes qui prenons commencer à faire sanction. Nous prenons les Dominicains en pile sanction. Nous prenons les petits groupes oligarques corrompus à eux sanction. Et puis ça nous souhaiter de grâce. C'est pour très bientôt. Groupe nèg qui soi-disant dans diaspora qui a voué les âmes, c'est pour yo prendre sanction. Moun sa ou, c'est pour nous commencer à retirer nationalité yo. C'est pour nous bailler sanction, mesdames, messieurs. Nous devons croire dans ça. Et pour nous croire dans ça, mesdames, messieurs, même gens, nous tant de pays Canada bailler sanction, nous souhaitons très bientôt pour nous avoir capacité individu sa yo, pour nous bailler sanction, pour nous bloquer tout compte en banque yo, parce que toute richesse yo, c'est sous dos li fait. C'est sous dos li fait. C'est sous dos peuple là. Donc, Allah sa pral bel, là nous pral commencer sanctionner yo et puis pour prendre prison. Et n'a salu Salomon qui est avec nous là. Oui, Salomon n'a salu. Moi ça y est Jimmy, moi ça y est tout en internet dans mon affaire bon TV, moi ça y est tout en et nous avons dit haïtien qui écoute nous à travers monde là et nous avons dit là toujours à terre là nous trouvons nous au niveau de Wanamenta et puis Wanamenta là nous avons dit nous sommes canal de massacre de bientôt et pour le moment Jacques est en train de faire vidéo là c'est béton et capoulé là et nous est béton capoulé et jusqu'à présent il y a un peu de monde qui m'a fait là maintenant je viens d'entrer rapide dans le canal de massacre là n'a entré plutôt dans et que ce pays Canada qui sanctionné et trois et autorités des États-Unis mais dis-moi dans trois les gars bon nous connaissons l'autre des gars contre toi nous connaissons les gars mais que l'argent moune mette la Kali. C'est-à-dire, au lieu de vous investir en un pays, au lieu de vous créer un emploi en un pays, vous avez fait une importation d'armes, vous avez acheté une armée de jeunes garçons, et puis vous déstabilisez le pays. Bon, mais dis-moi, entendez les gens sanctionnés là-haut. Ça qui arrête là-haut, au lieu de prendre l'argent financier, garder mes pays à tête là-bas, là, je vais vous donner ici. Maintenant, on garde les pays à ce cap-là. Les carbones, pour l'argent, ça. Je veux dire, tous les gens qui sectionnent. Je veux dire, pour qu'ils allaient mettre ensemble, Jimmy, pour appuyer Jovenel Moïse, le président, à cette époque, pour être capable de finir quand la vie massacre. Je veux dire, au niveau de méchanceté, qui est au niveau des hommes d'affaires. C'est-à-dire, je veux dire, vous entendez, pour qu'ils allaient sectionner, ils ont ressourcé mon vote en Haïti. Mais dis-moi bien, vous ne pouvez pas parler là. Je t'ai dit, mais pendant qu'ils me disent, vous êtes bien, vous me dis annoncé, Jimmy, j'ai deux banques en Haïti. Et nous avons révélé la question qui a transporté l'argent contre l'assassinat du président Jovenel Moïse. Vous savez bien? J'ai deux banques en Haïti. Et deux banques en Haïti, Jimmy, et tout le temps, dans le rapport que vous avez, tout le monde a connu. Je veux dire, il dit bon, je veux dire, Calbaron qui sanctionnait, il fait peur. Il fait un peu moins peur parce que l'autre dit Inibon ou dit Calbaron, il veut dire le on a ensemble des gens qui mettent des moyens en dedans et comme ça, on fait perdre. Et je dis à nous tenir, pays Canada sanctionné, Calbaron, il va sanctionner Calbaron parce qu'il a investi dans le pays. Il va sanctionner Calbaron parce qu'il n'a pas de support avec Haïti. Par rapport à dossier pays. Hein. Mais, monsieur, nous avons un audio qui a su qu'il est là. Audio très très sérieux par rapport. On nous dit l'unité des bandits armés, bandits à Sapatio,
Monsieur Sao qui décide de regrouper, mesdames, messieurs, tout le monde a posé cette question. Forme de unité ça à côté que yo mandé pour tout le monde rentrer la caillou sans qu'elle saute. Nous prenons le parler de ça, mais audio ça est extrêmement important. Évidemment, nous allons laisser détailler. Je connais des gens qui sont d'accord, des gens qui parlent d'accord. Mais l'essentiel, nous-mêmes, nous avons prêté focus sur le canal là. Jean nous dit, canal là, pas campé. Monsieur, on nous avance parce que dans le moment où on a parlé là, eh bien, oui, on retourne dans le canal là parce que nous avons une vidéo. Non, laisse la population campé. Jam, yo dit, pas fait back. Pendant et à jamais ça peut y avoir, mais y a même tout y avait Salomon et bam Daniel. Eh bien, Jimmy, nous avons dit donc Oudien, effectivement vrai, nous avons visité des lieux tout à l'heure là, au niveau des canals rivière massacre. Nous avons dit ouais des citoyens, y a même tranquille, y a tap dans et ouais y a joué tambour, y a veillé canal là ouais par une domination par rapport avec un canal rivière massacre. Mais Jimmy, pendant qu'on a dit ça tout à l'heure, on a parlé des questions et Lionel sur question et dossier la République dominicaine non par rapport avec plusieurs et même membres dans le secteur privé, plusieurs monde qui levaient campé et nous connaissons qu'il a perdu. Il a perdu marchandise, il y a un pile perte qu'a fait au niveau de la République dominicaine. Ça qui va un pile problème qui soulevait quoi un pile monde dans la société par rapport à Jean-Louis Abinadel a mené dossier ça et il y a un pile monde qui vraiment fâché. Nous avons parlé, le gouvernement dominicain doit venir en aide avec producteurs qui gagnent vie et non vendre marchandises avec acheteurs haïtiens, principalement sur le marché binational. Et bien, il parlait de Thomas et chargé son camion. Thomas qui chargeait son camion avec poule qui y a offri. Et bien, il vendu en raison des fermetures frontières Dominique Haïtien. Il a perdu l'argent. Ça a été Jimmy Gray, une situation qui a traversé là. Il a obligé de bailler poule en cadeau pour perdre l'argent. Et il a dit poule, il a tout cas, il a pris. Il a obligé Jimmy pour acheter là. Il a revenu à même prix encore. Ça a dit là encore, puis Dominicaine a fait une perte énorme. Non. Nous perdons plusieurs millions de dollars, explique Thomas Liberato. Il dit avec d'autres producteurs associés, nous vendons des marchandises là encore sous frontière. Et qui crédit ils ont acheté par ICO, nous devons payer deux jours. Mais alors que démarcation d'abonnement, notre République dominicaine, fait nous perdre des millions de dollars là, nous obligeons la gare par ailleurs.